Créé en 1977, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin contribue à la sauvegarde et à la promotion de la culture et de l'artisanat. À l'occasion de la rentrée artistique et culturelle universitaire, comptant pour l'année 2020, l'EACE a dévoilé son parterre de talents. L'EACE, elle est puissante et je considère qu'elle est une arme au service du bien de la jeunesse. C'est devenu comme une institution. La force artistique de l'EACE demeure toujours le travail bien fait. Le travail collectif, bien fait. Quand on met de la rigueur dans le travail bien fait, c'est ce que ça donne. Et les enfants, nos enfants l'ont démontré encore tout à l'heure. La rentrée artistique et culturelle universitaire RACU 2020 marque, entre autres, les 43 ans d'existence de ce creuset artistique et culturel. Des artistes ont présenté de riches tableaux harmonieux élaborés par les 8 sessions de l'EACE. Grâce à ses créateurs de mode, ses artisans et danseurs, l'EACE s'est doté des masques galédais, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'EACE manque de quoi travailler, de logistique. Nous n'avons pas ces éléments alors que nous avons 43 ans d'existence. Donc nous avons décidé de doter l'ensemble cette année de beaucoup de matériel. La session danse, nous avons commencé par l'acquisition des masques galédais. De l'EACE a émergé plusieurs créateurs d'art vivant et visuel artisans, mais aussi des décideurs politiques et leaders d'opinion. Ce creuset artistique et culturel favorise entre autres la formation des étudiants aux métiers d'art et de la culture, mais aussi l'émulation des talents parallèlement aux formations académiques.